bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve pour s'ouvrir une ETB Célébration à qui a l'item le plus compliqué à trouver de cette série Célébration. Donc, comme vous pouvez le voir, moi je l'ai eu à la Fnac. Et écoutez, on est parti pour s'ouvrir cet item. Donc, très très bel item sur la chaîne. Je vais normalement en ouvrir un deuxième puisque j'attends encore mon colis de chez Pokémon. Donc voilà, ça va être cool. On va se faire des bêtes d'ouverture Célébration. J'ai vraiment trop hâte. Juste avant de commencer cette ouverture, je voulais un peu vous montrer, vous partager les pioches qu'on a eues en off, parce qu'on en a ouvert une en off, et regardez-moi ces petites cartes. Donc je vous montre pas tout évidemment, mais je vous montre les cartes les plus cool à choper. Et du coup on a eu un mélo de Genesis. Les cartes sont vraiment incroyables franchement. Alors je sais pas si on verra à l'écran, de toute façon on verra si j'en pioche une, mais en fait toutes les cartes comme ça, elles ont un espèce d'effet full art et c'est ultra stylé. Après on a eu un admin Rocket de Team Rocket du coup. Le petit Pikachu volant VMAX comme ça, le petit Pikachu avec l'illustration du set de base en full art. Léviathan obscur, incroyable cette carte. Le Mew, alors ça c'est la bête de carte à avoir franchement. Je pense que c'est la quatrième carte à avoir en comptant du coup le set de base avec Dracaufeu, Tortank et Florizarre, et je pense que celle-ci c'est la quatrième. Ou alors il y a peut-être le Noctali aussi, mais je vous avoue que je me suis pas trop informée au niveau des cartes. Et du coup on a eu un Reshiram qui est incroyable, ce Reshiram. Alors celui-là je le garde pour moi parce que je suis tombée amoureuse de la carte littéralement. Donc je le garde pour ma collection. Et sinon tous ceux que vous voyez là, ils sont en vente sur mon Vinted si jamais vous souhaitez du coup collectionner la série du coup des 25 ans, parce que moi je vais pas le faire comme vous avez l'habitude, je ne collectionne pas. Par contre celle-ci je la garde et si je la tire une deuxième fois, elle sera disponible sur mon Vinted. Mais elle est vraiment incroyable, j'aimerais trop choper les écrans aussi pour avoir les deux. Et du coup voilà un petit peu sur les pioches qu'on a eu en off. Et là du coup on s'ouvre la deuxième ETB et j'ai trop hâte. Donc écoutez on se la débiste tout de suite. J'espère que vous avez pu en avoir une. C'était très 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 compliqué d'en choper je pense pour beaucoup d'entre vous. En fait le souci c'est que, moi par exemple si je prends l'exemple de la Fnac quand j'y étais, moi j'ai eu la chance d'avoir réservé la veille à mon nom une ETB. Donc c'est pour ça que j'en ai eu une. Mais sinon j'ai vu la queue qu'il y avait, ok ils avaient du stock mais il n'y en avait pas pour tout le monde. Mais du coup voilà comment se présente l'ETB. Donc elle est comme ça avec dans le fond un peu plein de Pokémon avec tous les starters en fait. Là on voit Fennec, là on voit Tortipousse, il y a tous les petits starters donc c'est super sympa. Et à l'intérieur par contre il n'y a rien, il y a juste écrit l'entraînement continue avec le Pikachu 25 ans. Ici on a le livret, donc le guide de jeu comme une ETB classique avec toutes les cartes du coup de la série. Donc les cartes hors série et les cartes de la série qui comptent 25 cartes d'ailleurs, mais je vous montrerai plus en détail. Et du coup la boîte elle est incroyable, moi je la trouve magnifique avec toujours le petit fond avec les starters et le 25 ans, l'entraînement continue. Au dessus c'est comme ça avec du noir mat et là c'est pareil de l'autre côté, je la trouve vraiment incroyable cette ETB. Et quand on ouvre, tout d'abord on a évidemment les règles du jeu, ensuite les petits marqueurs de dégâts, là on a les dés du coup, je sais pas s'ils changent en fonction des ETB mais je pense que c'est toujours les mêmes couleurs. Ensuite, on peut enlever le petit carton qui est aussi custom avec, on les voit mieux là, tous les starters. Du coup, le paquet de sleeves qui sont très très sympas, j'aime bien. Le TB sera à vendre aussi avec tous les goodies sauf les boosters sur mon Vinted si ça intéresse. Ici, le deck d'énergie. Ensuite, à l'intérieur, on y trouve également des séparateurs de deck qui sont comme ça. Oh, ils sont blancs et noirs du coup. Super stylé le contraste. Et là, on a aussi... si j'y arrive, une carte promo. Alors le code, j'ai totalement zappé de prendre les autres codes parce que du coup je les ai gardés, je vous les filerai dans une autre vidéo du coup. Et un petit Amphinobistar qui est du coup la promo 144 qui est très 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 jolie. Et donc cette promo sera du coup mise en vente avec tous les goodies, il y a toute la boîte sauf les boosters du coup. Et du coup au niveau des boosters, on va retrouver 1, 2, 3, 4, 5 boosters de série classique. Donc 3 styles de combat et 2 reines de glace. Alors j'étais persuadée qu'il y avait du voltage éclatant. Je sais pas si c'est parce que... oui si ok. Parce qu'en fait derrière c'est comme ça et donc là il y a voltage éclatant, ténèbres embrasées. Mais en fait pas du tout, je pense que ça peut différer des régions en fonction de où vous ouvrez vos ETB. Mais du coup, pour ma part, c'est 3 styles de combat et 2 reines de glace. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez une pioche différente au niveau des boosters. Et le plus intéressant, c'est évidemment les boosters célébration. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a bien 10. Et voilà, au niveau du booster, ça se présente comme ça. Alors honnêtement, au toucher, c'est beaucoup moins quali
que les boosters normaux. Bon, après, c'est normal, c'est plus fin, il n'y a que 4 cartes. Et du coup, on est parti pour s'ouvrir cette ETB. On va commencer évidemment par les séries classiques, donc Style de combat et Reine de glace. D'ailleurs, dans l'ETB qu'on a ouvert en off, on a eu un Chifourse 1000 points Rainbow dans le premier booster. Je l'ai pas montré là parce que c'était pas les cartes des 25 ans, mais on a eu une Rainbow. Donc, incroyable. L'ETB qu'on a ouvert là en off a été vraiment incroyable, donc j'espère que celle-ci sera tout autant chanceuse, on l'espère, et on est parti avec le premier booster avec une énergie feuille. Gros Ray, Luxio, Pérégrin, Archéomyr, je vais juste modifier un peu la luminosité, Gruikui, Pachirizu, Kungfuin, Balbuto, Dunaconda en holo reverse, et derrière on commencera avec un Kaorin en rare. Donc, on commence doucement, on les met évidemment sous sleeve, les deux petites cartes. Et on continue l'ouverture avec le deuxième booster, Style de combat. N'hésitez pas à partager vos pioches du coup en commentaire si vous avez réussi à avoir le Dracaufeu ou alors un des trois starters en fait du set de base, donc Dracaufeu, Tortank, Florizarre. C'est vraiment les cartes à avoir, j'espère énormément choper, le mieux ce serait Dracaufeu. Mais sinon, Tortank ou Florizarre, ça serait juste incroyable. Cacturne, Cacnea, Miss Divul. Sinon dans ces séries, bah évidemment des grosses cartes, ça serait dingue. Mais bon, j'espère plus de célébration que de style de combat et reine de glace. Et du coup un Exagide en rare. Allez, on enchaîne avec un Chifourse point final. Tac le code, 1, 2, 3, 4. Et nous sommes partis avec une énergie feuille, Corbos, Aflamanoir, Rouleau Acerbe, Psystigri, Larvadar, Dunaija, Malos qui est trop mignon à tirer un énorme caillou, Exelang, Corbos et derrière un petit Fulgudog, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celui-là. Après c'est vrai qu'ils nous l'ont mis dans énormément de séries au début des pieds boucliers, donc bon. Et du coup ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Du coup on enchaîne avec Reine de Glace, on n'a rien eu dans Style de combat malheureusement, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4 et on est parti. Adrian, Casque Costaud, Crabominable, Morpheo, Fantominus qu'on voit quasi jamais en fait, Wushurs, Bibichute, Larméléon, en reverse une rare, un Golemastoc et derrière un Chifourse 1000 points holographique. Alors lui je l'ai eu 3 fois je crois en holo mais j'ai jamais eu le point final. Je sais pas s'il y a un Chifourse point final dans cette série en holo mais en tout cas je ne l'ai jamais eu. Donc bon j'aimerais bien l'avoir s'il y a en tout cas. On enchaîne sur le dernier booster. Donc pour l'instant les séries comme ça c'est pas fameux. On a eu beaucoup de chance sur le TB en off sur les séries classiques mais là c'est vraiment pas fameux pour le coup. Donc bon, c'est pas très grave. On espère toute la chance dans Célébration. Ramolos, Krabagar, Stalgamin, Aspico, Morpheo. En reverse, une corne résonante, pardon. Et derrière, quand même une petite carte, une full art en plus. Mdirien et un Dunaconda en full art. Qui est incroyable. Mais toutes les full art sont trop belles, donc... Donc je vais jamais critiquer une full art, ça c'est sûr. Donc un petit Dunaconda. On finit du coup les séries classiques sur une très 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 belle carte, une full art. On a de la chance en ce moment, j'ai l'impression sur les full art. Après peut-être que sur la chaîne ça se ressent pas trop parce que je sors un peu les vidéos, je coupe un peu parce que d'ailleurs celle-ci a été censée sortir derrière toutes celles qui vont arriver, donc de Évolution Céleste, mais au final je vais alterner Évolution Céleste et Célébration, c'est pour ça. Du coup Dunaconda V full art qu'on découvre parce qu'on l'a jamais tiré. De Reine de Glace et elle est franchement très très belle. Du coup cool, une full art au moins dans les séries Reine de Glace et Style de combat, donc ça fait plaisir sur 5 boosters, c'est super bien je trouve une petite full art. Et du coup on va enchaîner sur ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Célébration. Et on espère avoir les grosses cartes, donc forcément j'aimerais beaucoup choper des ex, donc des ex, enfin des ex, non des niveaux X, je crois qu'il y a des niveaux X. Genre la Luxray, forcément les Wizards, les cartes Wizards, donc Dracaufeu, etc. Je crois qu'il n'y a pas de placement, hein, si on prend les cartes puis on voit, on enlève. Je vais juste vous filer le code. J'aimerais aussi beaucoup avoir la Zekrom du coup. Et après il y a quoi? La Noctali Star, c'est la seule star de la série. Puis voilà à peu près ce que j'aimerais beaucoup avoir. Donc Dialga Holo, Faux Professeur Shen, ça c'est cool parce que du coup c'est une Wizard. Alors je sais pas si vous aviez remarqué, mais elles sont pas toutes comme ça, hein. C'est que les vraies séries on va dire. Parce que si vous voulez, là il y a la série des 25 ans avec les Holo et tout.
et les ultras, les quelques ultras qu'il y a. Et donc là, du coup, ils ont repris les cartes avec la bonne date. Donc ici, c'est 98 pour le coup. Et donc là, c'est vraiment du set de base parce que du coup, il y a Rocket, il y a Neo Genesis. Après, il doit y en avoir d'autres sûrement, mais j'ai pas tout vu. Et du coup, là, c'est la 73/102 du set de base. Donc, très bonne carte. Et je sais pas si vous remarquez à l'écran, mais il y a un effet en fait foulard qu'ils ont mis sur toute la carte. Et je trouve ça ultra sympa. Et du coup, derrière, on a. Oh, il est beau. Zamazenta V, qui est du coup de la série des 25 ans. Parce que du coup, c'est une carte qui a été faite à l'occasion. Et il est super beau. Par contre, du coup, je vais protéger. Celle-ci directement vu que c'est la plus rare à choper et très contente. Ça fait vraiment bizarre de choper des wizards, mais on sait que c'est pas les, bah, les vrais forcément. Ça doit faire encore plus quelque chose de d'ouvrir du vrai wizard, ça c'est sûr, mais ça fait bizarre de, bah, de revoir ça en fait, de revoir les illustrations ultra anciennes, et ça fait grave plaisir en vrai. On commence du coup avec une bah, directement une wizard, donc franchement c'est vraiment cool. Je vais juste protéger la petite Zamazenta, très bon booster pour commencer. Et du coup, on va enchaîner sur le deuxième. Allez, on y croit. Peut-être qu'on va faire une bête d'ouverture, ce serait ouf. Ah, le petit drake là, s'il tombe, j'aimerais tellement. Et donc là, on a un Zekrom. Bon, j'ai le code derrière, je vous le donne à la fin. Zekrom, hein, oh oh. Oh! Eh, c'est ouf, ça, Pikachu 2. Ah, mais oui! Alors, ils avaient sorti ça, bah, je sais plus pour quelle occasion. Mais en gros, on pouvait écrire notre, bah, le nom, en fait. On écrivait notre prénom. Et du coup, c'est une promo, une carte promo incroyable, trop trop bien. Et derrière, un Lunala que j'avais jamais eu, je crois, en holo. Et du coup, on a un petit Pikachu 2. Donc bon, je vais pas écrire mon prénom, vous en doutez. Mais elle est trop mignonne, cette carte. Et du coup, c'était une promo à l'époque. Donc bah, déjà, deux wizards, c'est ouf. Et on enchaîne sur le troisième booster. Donc franchement, pour l'instant, très bonne pioche, je trouve. Je suis très satisfaite. On n'a pas eu un booster avec rien. Ça, c'est les pires. Donc hop, le petit code ici et tac, allez, Cosmovoom, Reshiram, Palkia et un recherche professionnelle. Ben voilà, là on a un booster avec rien du tout. Donc on enchaîne. Ah oui, si jamais, je vais mettre en fait en vente des lots avec ça. Enfin genre, des lots avec bah, avec pas de double en fait, des lots sans double. Du coup, bah, si jamais ça vous intéresse, vous n'avez pas forcément pu vous procurer du Célébration et que vous voulez bah, compléter vos séries, n'hésitez pas, il y aura des petits lots sur mon compte Vinted. Alors, Palkia, Dialga, un Reshiram, et derrière, un petit Pikachu volant V que j'ai déjà eu 3 fois. Alors, celui-là, c'est la V qui va ressortir, je pense, pour tout le monde. Il y a le Surfeur aussi que j'ai pas vu, mais alors celle-ci, c'est la 4e fois que je la pioche. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, c'est... Je la vois beaucoup, quoi. Allez, on enchaîne. On n'a pas eu de cartes ouf, de cartes incroyables, comme la petite Mew Gold qu'on a eu en off. Là, franchement, très très belle carte. Allez, un petit Kyogre Groudon. Ah bah tiens. Oh! Ça, alors je savais pas qu'elle était dedans, mais je pense que c'est aussi une des best cartes à avoir dans la série. Parce que c'est quand même un Mew, et c'est quand même un Mew X. Elle est trop belle. Oh, ça fait bizarre de voir ça. Très cool, très très cool, très belle carte. Et derrière, nous avons un Pikachu volant VMAX, du coup, que je vous ai montré dans le petit récap juste avant, qu'on avait déjà eu. Mais alors là, le Mew X, trop trop bien. Je pense que c'est une des cartes aussi à avoir avec bah, forcément les anciennes X, les stars, puis bah, le set de base. Avec tous les... comme je le répète, hein, tous les starters du set de base. On va y arriver. Tac, on la met sous sleeve et sous top loader parce que du coup, je connais vraiment pas les codes des cartes pour l'instant. Je connais que les codes de celles que j'ai eues. J'ai pas cherché les autres cartes encore. J'avoue que j'aime bien aussi avoir un petit peu la surprise bah, des cartes que j'ai pas forcément vues dans le livret pour pas trop me spoil. Mais du coup, un petit Mew X, ça fait plaisir ça. Franchement, pour l'instant, très 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 bonne ouverture cette ETB. Je valide. On enchaîne du coup. Tac et tac. Le petit code. Et on est parti avec un Kyogre. Cosmovoom, Torte. Tank du set de base. Eh ben elle est sortie comme ça. Ça fait trop bizarre, elle pop comme ça les cartes. Alors que c'est des bêtes de cartes. Et derrière un recherche professorale. Eh ben on aura eu un des 3 starters du set de base. Bah du coup de la série 25 ans. Trop, je suis trop contente. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ça fait trop bizarre de les voir en vrai, je vous dis. Hein. Enfin tu sais que c'est le vieux dessin. Enfin le vieux design. Ils ont repris les impressions, enfin les... je vais y arriver. Le design... non, je vais pas y arriver. Ils ont pris les designs anciens, quoi. Enfin, les vrais designs. Ils les ont réimprimés. Et je trouve ça ouf. Incroyable. Oh là là.
Incroyable. On a eu... Ah, je suis trop refaite. Trop trop bien cette ouverture. Ah là là, je... J'ai pas les mots. Mais on a eu un objectif. Un starter du set de base. Et le petit hors tank. Qui est très très sympa. Qui est franchement très 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 sympa. Incroyable. Je vais enchaîner parce que du coup je m'attarde beaucoup. Mais en même temps, il y a trop des belles cartes. Oh là, je suis trop refaite. Un Mew ex un hors tank set de base. Qu'est-ce qui peut nous arriver de mieux? J'ai envie de vous dire, je sais pas trop. Du coup, oh là, bah alors lui, le booster, je vais pas le garder, ça c'est sûr. Hop, le code, et on est parti avec un Lugia, qui est très sympa. Groudon, Yveltal, et un Solgaleo, un petit booster sans rien quand même, faut pas abuser, parce que là, la chance qu'on a, c'est abusé, franchement. Elle régale vraiment, ces ETB, c'est des super beaux items à choper. J'espère que vous avez pu en avoir du coup, parce que là, franchement, c'est incroyable les pioches qu'on a là-dedans. Reshiram, Groudon, Xerneas, c'est une petite V. Le Zacian V qui tombe, comme ça on a son frère avec le Zarazenta V. Et bah dis donc, et franchement les dessins, je me suis pas trop attardée dessus. Mais des deux, hein, des deux là, ils sont... Bah, en même temps, je crois que c'est le même illustrateur. Mitsurarita, évidemment, on ne le présente plus. Elles sont trop trop belles, hein, les cartes. Elles sont vraiment sublimes, hein. Les dessins sont incroyables. Donc, waouh, trop cool, vraiment trop cool. J'ai pas eu trop de doubles, en vrai, pour l'instant, bah, avec l'autre ETB qu'on a ouvert en off. Donc c'est cool, franchement. Tac. Et tac, il nous reste du coup deux boosters avec celui-là. Allez, on y croit pour sortir une autre belle carte, là, ça serait cool. Groudon. Kyogre, Cosmog et un Pikachu que j'ai déjà eu du coup de Mitsuru Arita également puisque bah, c'est la vieille illustration, hein, le gros Pikachu du set de base. On la met de côté puis on enchaîne sur le dernier booster. Est-ce qu'on va faire un beau final pour cette série des 25 ans Pokémon? On y croit. Après on va s'en ouvrir d'autres évidemment, donc bon, rien n'est joué, n'est perdu, enfin, je sais pas comment dire, mais vous avez compris. Du coup, Cosmovoom, Zekrom, ah, Groudon, Kaorin, pas du tout, alors ouais bon, pas ouf, mais cool parce que c'est Diamant et Perle, Kaorin de Diamant et Perle, alors là par contre je me souviens plus du tout du nom de la série Diamant et Perle, j'ai un peu zappé, trop bien, un petit Kaorin de Diamant et Perle que j'ai en plus en vrai, je crois que je l'ai encore chez moi dans mon petit bloc de cartes, Lunala pour finir, dans mon petit bloc de cartes de vieilles séries, donc Ex, Diamant et Perle, tout ça, Wizard aussi, j'ai un petit peu de Wizard je crois, qu'il m'en reste, je sais plus, mais trop bien, on finit quand même sur une petite carte de Diamant et Perle, ça fait plaisir de voir du Diamant et Perle, donc ça date de 2008, donc ça date quand même maintenant, ça fait plus de 13 ans, donc ouais ça date. Franchement très très cool cette ouverture, là je suis ultra refaite, j'espère que vous avez pu aussi, du coup si vous en avez ouvert vos ouvertures, partagez-les hein, si elles ont été ultra chanceuses ou peut-être pas chanceuses, mais n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Et du coup, je vous montre un petit peu ce qu'on a eu au niveau des, de tout ce qui est ultra etc. Donc on a eu ici le petit Pikachu volant, donc qui tombe très 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 souvent, le Pikachu volant VMAX du coup, hein, celle qui va avec, qui est très sympa, j'aime beaucoup, très coloré. Le Pikachu, on a eu beaucoup de Pikachu. Pikachu foulard du coup. Et Zacian et Zamazenta, ça c'est des super belles cartes. J'adore le fond vert en plus, enfin incroyable. Ça contraste de ouf avec les Pokémon, j'adore. Et du coup, au niveau des cartes ici, on a eu franchement des bêtes de cartes. Là, je suis très contente. On a eu un Kaorin Diamant et Perle du coup. Pikachu 2, donc la promo numéro combien? 24. Une dresseur du coup du set de base, le faux professeur Shen. Un Mew X. Magnifique, et un Tortank. Le Tortank du set de base, donc juste incroyable cette ouverture. Du coup, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai trop 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 aimé ouvrir de cette série. C'est vrai que Célébration, j'avais dit que j'allais pas de ouf m'y intéresser, mais au final, franchement, les cartes sont vraiment très jolies. Enfin, c'est incroyable de reprendre les vieux designs, de les réimprimer, puis de les custom pour les 25 ans. En vrai, c'est super stylé. Donc très agréablement surprise de cette série, très contente de pouvoir en ouvrir autant sur la chaîne. Et du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, l'aimer, la partager, et surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.